va nous permettre de ne pas empiéter sur la pause de midi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais prévu pour demain, mais j'en parle aujourd'hui. Donc c'est la... je vais vous présenter une expérience effectuée en Vallée d'Aoste par le biais de la télévision, l'antenne locale de la RAI. Et c'est-à-dire qu'à partir de 2013 et jusqu'à 2019, on va dire, j'ai travaillé à plusieurs séries d'émissions télévisées qui en réalité n'étaient pas des émissions au sens propre, c'est-à-dire que c'était pas, oui, c'était purement des enquêtes télévisées sur un sujet très spécifique, c'est-à-dire sur la tradition. Comme vous voyez, écrit avec la majuscule et un T majuscule, parce que c'est vraiment... pour analyser ce discours qui porte sur l'intronisation de la tradition, un discours très répandu en Vallée d'Aoste, dans le domaine public, et très récurrent, et qui m'interpellait beaucoup, et que j'ai voulu analyser par le biais de la télé. Le choix de l'analyser par le biais de la télé n'a pas été vraiment un choix libre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai trouvé des financements pour réaliser des émissions, donc ça a été une enquête adaptée aux exigences de la télévision, mais quand même une enquête avec les présupposés d'une enquête scientifique. Alors juste là, je vous montre encore une fois la carte parce que peut-être il peut être intéressant de se rendre compte de ce que c'est que la Vallée d'Aoste dans l'ensemble de l'Italie. Et donc c'est la plus petite région d'Italie et nous avons donc un siège régional pour la Vallée d'Aoste, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'heures d'émissions hebdomadaires qui sont d'ailleurs visibles seulement en Vallée d'Aoste. Et donc voilà, il s'agit de 56 émissions, 25 minutes chacune, qui ont permis de toucher, disons d'interviewer, environ 200 personnes. Donc voilà, un petit échantillon. La première édition, donc en 2013, et elle part avec une forme très classique d'enquête, oui, d'entretien basé sur trois questions. Et donc voilà les trois questions principales. Quel objet de la tradition valdôtaine placeriez-vous dans un hypothétique musée de la tradition valdôtaine? Le musée de la tradition valdôtaine n'existe pas, il n'y a pas un musée ethnographique en Vallée d'Aoste, mais il y a un intérêt très important pour tout ce qui est ethnographie. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, qui conservent les vieux objets et qui manifestent une certaine curiosité aussi à comparer les objets entre eux, etc. etc. Il est intéressant de voir parmi toutes ces personnes qui cultivent cet intérêt et qui peuvent avoir un certain nombre d'objets chez eux, quels objets ces personnes considèrent comme les plus représentatifs pour être placés dans un musée. Et il est intéressant de poser cette question à une autre question. Quel objet de la tradition valdôtaine aimeriez-vous garder chez vous? Donc, attribuer une autre valeur à l'objet. Donc, ce n'est plus un objet qu'on utiliserait pour raconter quelque chose aux autres, ou bien un objet emblématique qu'on ressentirait comme emblématique de sa propre identité,
Mais voilà, donc un objet qui aurait une autre avec lequel la personne entretient un autre type de relation. Et puis, toujours une question qui porte en partie sur la culture matérielle, parce que voilà, mais en même temps qui ouvre sur d'autres aspects, donc un mot de patois, et là la question se pose dans ces termes, donc un mot de patois, parce que patois c'est le terme utilisé couramment dans la conversation habituelle des personnes qui parlent de la langue provençale dans les DOS, donc un mot de patois que vous souhaiteriez partager avec nous. Et là aussi, c'était pour voir, pour enquêter sur le rôle de la langue, parce qu'il est intéressant de voir comment ce processus de sélection dans lequel on encourage vers lequel on encourage les personnes à interviewer, voir comment ce processus de sélection s'opère, donc quel genre de mots les personnes choisissent, qu'est-ce qu'elles préfèrent mettre en avant. Et donc, voilà, comme je disais, il y a eu plusieurs éditions de cette même type d'émission, donc la tradition. Comme il s'agissait de séries qui se suivaient les unes après les autres, d'année en année, il y avait des temps morts entre, on va dire, une série et l'autre. Donc, il n'y avait pas d'émission à la télé, mais il y avait quand même un lien entre, disons, les auteurs de l'émission et les spectateurs, qui étaient entretenus par le biais d'une page Facebook sur laquelle les personnes continuaient à écrire ou à poster des objets. Et donc, voilà, il y a eu cet aspect qui a permis aussi d'enregistrer d'un côté les réactions émotionnelles des personnes, parce que il y a beaucoup d'émotionnel dans ce genre d'émission, du fait qu'il y a un rapport affectif très fort avec ces objets, avec ce que ces objets représentent pour les personnes. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions aussi qui est exprimée dans les émissions déjà, mais aussi par le biais de la page Facebook. Et donc, après, il y a eu toute une série d'émissions, de séries qui se sont suivies les années d'après. Et ce qui était intéressant, c'était aussi de tenter de documenter l'évolution du sentiment vis-à-vis de la tradition ou du discours qui était fait sur la tradition. En tenant compte du fait que, évidemment, les informateurs de la première série étaient vierges de toute influence extérieure, c'est-à-dire que, probablement pour la première fois ou quand même d'une façon tout à fait spontanée, parlaient de la tradition et opéraient des choix. Et dans les séries qui ont suivi, évidemment, les personnes, surtout que très souvent le statut d'informateur et de spectateur se chevauchait. Donc il y avait des personnes qui avaient déjà suivi les séries précédentes et qui manifestaient, qui avaient des réactions qui n'étaient pas qui ressentaient de l'influence des réactions des autres informateurs et des propos tenus pendant les émissions. Et notamment dans le choix des objets, parce que cela a été assez évident. Les personnes qui avaient déjà vu passer un objet à la télé me posaient la question, me disaient par exemple, est-ce que je peux montrer de nouveau un berceau, puisque je l'ai déjà vu passer à la télé. Et bon, là, je
J'ai toujours expliqué que les personnes étaient libres de faire leur propre choix. Et en effet, je ne parle pas par hasard du berceau, c'est vraiment l'objet le plus récurrent, celui qui a été le plus souvent évoqué, montré, et très souvent aussi, c'est l'un des objets qui était le plus conservé dans les maisons. Donc voilà, c'est certainement l'un des objets les plus, emblématiques, ou en tout cas dont les personnes veulent le plus, parlent le plus volontiers. Mmh. Et donc voilà, par rapport à une enquête normale, c'est certain que cette enquête avait toujours cet interlocuteur en plus qui était le spectateur, parce que le statut de l'informateur dialogue tout le temps avec celui du spectateur dans ce genre de dynamique. Et le spectateur qui, à un moment donné, devient informateur, qui redevient spectateur, et donc cela complexifie un peu les choses et les rôles. Et surtout qu'à un moment donné, on a... Voilà, justement là, c'est la question aussi de la... du compromis entre l'enquête scientifique et l'enquête télévisée, c'est-à-dire qu'il fallait introduire des éléments nouveaux pour rendre plus attrayante la nouvelle série, par exemple, ou bien pour redynamiser les débats, parce que surtout au début, nous avions pensé que la page Facebook pourrait vraiment alimenter le débat sur la tradition. Alors qu'en réalité, le débat a été plutôt limité du fait que les gens n'ont pas tellement envie d'écrire et de réfléchir d'une manière très conséquente quand ils sont sur Facebook. Donc c'était plutôt des commentaires assez rapides. Il y a eu quelques propos un peu plus articulés, mais sinon, il s'agit surtout de propos assez rapides et de réactions très immédiates, du genre, je vois une photo, voilà, je reposte ma propre photo de mon propre objet pour montrer les différences ou bien les similitudes. Et donc, voilà, dans ce contexte, on a ajouté aussi... des questions supplémentaires, pas tellement adressées à l'informateur qu'on enregistrait, qu'on filmait, mais plutôt des questions adressées directement aux spectateurs pour les faire réagir davantage sur la page Facebook. Et donc, par exemple, on a introduit l'objet mystérieux. Cela, vraiment, c'est une chose qui a marché très bien, très longtemps, parce que les gens étaient ravis de tenter de deviner de quel objet il s'agissait. Et en réalité, c'est vrai qu'on est arrivé plutôt, on est allé plutôt loin parce que parfois, il n'y avait personne qui savait de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'on avait même pas la réponse à la question. Des objets que des personnes trouvaient peut-être dans leur propre grenier, mais dont ils n'avaient pas pu reconstruire l'histoire. Parfois, on s'est même demandé si c'était vraiment un objet ou si c'était juste un morceau d'un objet. Mais bon, il était intéressant parce que cela, ça faisait discuter. Et puis, il y avait toutes les hypothèses. Il y avait des personnes qui interprétaient l'objet. Et donc, c'est aussi intéressant du point de vue de la réflexion sur les savoir-faire, parce que les gens regardaient le mécanisme, vraiment, comment l'objet était monté, démonté, etc., et donc émettaient des hypothèses là-dessus. Et après, bon, l'autre question, par exemple, c'était reconnaître une montagne, mais évidemment, c'était des photos ou des films très rapides d'une quinzaine de secondes sur le profil d'une montagne, mais pas vu du point de vue le plus normal, c'est-à-dire que c'était des prises de vue un peu particulières qui exigeaient de la part
les spectateurs un effort pour reconnaître ou reconstituer le paysage. Et puis, le mot du jour, qui reprend un peu, on va dire, la troisième question des premières séries, donc quel mot voulez-vous partager avec nous? Et c'était justement une façon de faire réfléchir davantage sur la langue et de stimuler la recherche d'un mot qui, d'une façon ou de l'autre, pouvait avoir un côté un peu emblématique ou bien simplement qui plaisait pour des raisons différentes. Ça peut être intéressant. Et là aussi, il a été intéressant parce qu'on a pu analyser les critères qui étaient mis en avant dans le choix de ce qu'on voulait partager avec les autres, soit pour le mot que pour les objets. Et on verra ça par la suite, mais je vous anticipe, par exemple, le critère esthétique n'est pas du tout important pour les objets en Vallée d'Aoste. C'est-à-dire que cela venait toujours beaucoup après d'autres critères, ce qui pouvait paraître un peu étonnant, en tout cas au début, où l'on s'attendait que le bel objet du passé pourrait avoir joué un rôle important dans le choix. Et donc, comme je disais, l'impact de la télé était évidemment non négligeable, mais on le savait depuis le début, donc il fallait tenir compte du fait que certains informateurs, par exemple, ne pouvaient pas passer à la télé, c'est-à-dire que il y a parfois des informateurs qui parlent vraiment très 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 peu, qui répondent juste par un oui ou par un non, qui font de longues pauses, et donc cela pourrait être intéressant en termes d'enquête et de collecte de données, mais évidemment si la personne ne parle pas quelques minutes au moins, voilà, c'était vraiment... Donc quelques rares cas comme ça, ou bien des personnes qui n'ont pas souhaité être filmées, ou simplement qui acceptaient très bien de répondre aux questions, qui avaient peut-être même des objets. D'ailleurs, il y a aussi une question, on va dire, de sécurité par rapport aux objets, notamment quelques collectionneurs qui avaient des objets, évidemment, de valeur, qui ne voulaient pas montrer. Et donc, voilà, dans ce cas aussi, tant qu'il s'agit de la discrétion de l'enquêteur, ça va, ils vont ouvrir les portes, ils vont montrer des choses, mais après, évidemment, ces personnes non plus n'ont pas pu être filmées. Après, il y a la question de la légitimité. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, se sont dites non légitimes à répondre à ces questions, parce que c'était des questions sur la tradition, la tradition en lettres capitales, et donc certaines personnes déclaré ne pas pouvoir prendre de position par rapport à la tradition parce qu'ils ne se sentaient pas assez intérieurs, oui, faisant partie de la tradition. Et là aussi, il est très intéressant de poser ces questions, ces trois questions apparemment très anodines, quel objet mettrez-vous dans un musée et tout, parce que ça faisait ressortir tout un débat sur l'appartenance à une certaine tradition et sur les éléments qui font qu'une personne puisse appartenir à une tradition ou pas. Et donc, comme on en parlait hier avec le professeur Yatz, parfois le fait de ne pas parler le franco-provençal pouvait devenir un élément fondamental dans la... Dans le sentiment d'appartenance à une certaine tradition. Très souvent, des jeunes ont refusé au nom du fait de ne pas pouvoir, de ne pas se sentir légitime à parler de la tradition. Des jeunes qui peut-être étaient même des locuteurs de franco-provençal, mais qui ont dit en gros, non, je ne me sens pas, je ne m'autorise pas à m'exprimer publiquement à la télé sur la tradition parce que
je ne connais pas suffisamment, je ne suis pas suffisamment préparée pour répondre à ces questions. Et le débat est devenu encore plus fort quand, à un moment donné, au bout de quelques séries, je crois la troisième ou la quatrième, on a proposé une quatrième question. Et la quatrième question, quel objet ou quel aspect de la tradition valdôtaine seriez-vous prêt à sacrifier ou à éliminer carrément si vous deviez éliminer quelque chose de la tradition? Et c'était très intéressant parce que les personnes âgées, par exemple, n'avaient aucun problème à éliminer quelque chose parce qu'ils avaient des très mauvais souvenirs, des souvenirs, par exemple, de honte, mais un sentiment de honte, par exemple, à nos yeux, presque incompréhensible. Par exemple, un monsieur nous a raconté que quand il était petit, et que le feu s'éteignait dans la cheminée ou dans le poêle, il fallait partir faire le tour du village avec une pelle en fer et demander des braises aux voisins. Et ça, c'était pour lui la honte. Et il a dit, voilà, s'il fallait éliminer quelque chose, c'est ce genre de pratique. Après, voilà, ils se sont... justement, les personnes... surtout plutôt âgés, n'avaient jamais de problème. C'est-à-dire qu'ils avaient des souvenirs très clairs et se sentaient tout à fait à leur aise dans cette démarche d'éliminer un aspect qui ne leur plaît pas. Alors que, voilà, justement, là, une frontière très nette s'est dessinée entre deux catégories de personnes. Et cette catégorie de personnes plutôt jeunes, plutôt déjà dans une situation d'insécurité culturelle par rapport à la tradition vue d'une façon très cristallisée, ces personnes n'ont pas souhaité très souvent répondre à la question, justement en disant je n'ai pas la légitimité, je ne peux pas me permettre de critiquer quoi que ce soit. Et donc voilà, après, pas toujours cela s'est manifesté, disons, ça a pu être comment dire, documenté à l'intérieur de la partie télévisée de l'enquête, mais parfois ces personnes sont très bien motivées en disant non, moi je ne peux pas. Et justement, on se rend compte que le fait de poser une question, disons, négative sur la tradition, a permis de mieux cerner cette catégorie de personnes qui étaient dans une situation d'insécurité et qui ne voulaient surtout pas blesser ceux qui, à leur avis, étaient plus légitimés, plus au fait sur les bonnes pratiques et sur la vraie tradition. Mais au fur et à mesure que les questions se multipliaient, que les informateurs se multipliaient, il a été évident que la tradition, cette vision monolithique de la tradition, s'est plutôt érodée et que donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont exprimé des pensées très divergentes par rapport à ce que chacun des premiers informateurs pensait que c'était la tradition. Et donc voilà, il y a eu une série de réactions par rapport à ces réponses. Des réactions par exemple par rapport à la langue des personnes, critiquant par exemple la qualité de la langue parlée par certaines personnes, et puis par le choix de certains objets, parce que justement, certains objets n'étaient pas censés faire partie de la tradition. Donc voilà, c'était aussi amusant, en plus d'être intéressant de voir. Par rapport au
public, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a eu quand même une certaine audience, environ 23-27% des postes de télé valdôtain, ce qui ne correspond pas à 23-25% des habitants de la vallée, pour toute une série de raisons, parce qu'un certain nombre de postes de télé ne sont pas recensés, en même temps, qui est devant le poste de télé, une personne, quatre personnes, comment ces personnes écoutent une émission qui passe quand même pendant le souper, donc on rivalise avec le pot de mayonnaise que les gens se passent autour de la table, on ne sait pas exactement avec quelle attention voilà, tous les propos sont écoutés. Et ce qui est plus facile à comptabiliser, c'est certainement le nombre des usagers des réseaux sociaux. Et ce qui a été intéressant depuis le lancement de cette page Facebook, c'est qu'une partie des usagers des réseaux sociaux, une partie même non négligeable, était constituée de personnes qui n'avaient pas accès à l'émission télévisée. Parce que l'émission télévisée ne passait qu'en Vallée d'Ost, pour des raisons très concrètes voilà, d'antenne. Et donc on est sûr que les personnes résidant en dehors du territoire régional, notamment en Savoie, Haute-Savoie et Valais, et voilà, ces personnes suivaient l'enquête par le biais des photos et des commentaires postés sur Internet. Et, mais justement, malgré l'absence de la source principale donc de l'émission, il est intéressant de voir quand même qu'il y avait cette participation et donc que le thème intéressait énormément, même en dehors de notre région. Tout en sachant que la présence du mot « tradition » et le statut de la tradition en Savoie et en Valais n'est pas le même que celui qu'on avait pu analyser dès le début en Vallée d'Ost. C'est-à-dire qu'en Vallée d'Ost, il y a vraiment un discours très répandu sur, comme je le disais avant, sur la question de la tradition et à tous les niveaux, c'est-à-dire très souvent aussi dans le domaine politique, du fait de la présence d'un parti autonomiste qui a été très important et qui joue encore un rôle important de nos jours. Donc le mot « tradition » a été souvent même instrumentalisé dans le domaine public et dans le domaine politique. Voilà, donc pour résumer, les données collectées, il y a les réponses des informateurs pendant les interviews, il y a les résultats des quiz, et les réactions sur les réseaux sociaux, et après, comme il s'agit d'une très petite région, les commentaires personnels via des contacts directs étaient très nombreux, et à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la rue, par téléphone. Surtout pendant les premières séries, je recevais énormément de coups de téléphone juste à l'instant où l'émission était terminée. Et donc voilà, c'était malheureusement pour les coups de téléphone, je n'ai pas pu les enregistrer et je n'avais pas toujours la possibilité de prendre des notes. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Et donc ça, j'ai déjà parlé. Et le statut de l'enquêteur, il faut être conscient aussi que cela a changé, parce qu'évidemment, il y a eu une dimension de popularité de l'émission, et donc forcément aussi de ma personne en tant qu'enquêtrice qui a changé au fil des émissions. Et cela a été évident à un moment donné où, en gros, il n'y avait plus de forme de méfiance. Ces formes de méfiance qu'on a pu rencontrer au début, où les personnes étaient plus ou moins inquiètes de participer à une émission et tout. À la fin, c'était vraiment le fait de l'émission était vue avec beaucoup de sympathie et donc tout le monde, en gros, répondait par l'affirmative quand il s'agissait
participer activement et de répondre aux questions. Il y avait même des personnes qui avaient déjà dans leur tête, ah oui, ah bien, alors d'accord, moi, voilà, on voyait qu'ils avaient déjà imaginé si jamais un jour j'avais l'occasion.